Les travaux de cette assise, dirigée par l'honorable Koulibaly Kadidia Toussamaké, quatrième vice-présidente, s'est tenue dans une atmosphère conviviale. Au siège néo-look de Yélémani, les leaders de la zone ont fait le bilan des activités menées durant les 6 derniers mois dans leur localité, notamment le niveau de participation à l'animation de la vie du parti et les difficultés rencontrées. À tous les problèmes posés, une solution évoquée. Si on n'a pas une jeunesse consciente, si on n'a pas une jeunesse qui veut prendre la relève, tout ce que nous avons fait ne sert absolument à rien. Le monde de nos jeunesses, nous le savons, éducation, emploi. Il faut que ça se soit dans nos têtes tous les matins. Que tous les matins nous sachions que nous devons tout faire pour que nos enfants soient instruits le plus possible. Que nos enfants aient du travail chez eux, ici, dans notre pays. Nous allons nous mobiliser pour ça. Nous allons mettre toute notre intelligence et toutes nos intelligences au service de notre jeunesse pour qu'elle réussisse. Parce que nos femmes, pour l'ensemble de notre pays. Ce n'est pas pour rien que nous avons un symbole de la main tendue. Et je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent que l'URD est un parti ouvert. Cette activité pour le parti, c'est une mobilisation qui amène les militants à se préparer. Et à se préparer très activement, d'abord pour aller aux élections et à s'engager, n'est-ce pas, à voter pour le candidat que l'URD aura choisi pour conduire les destinées du pays. Le fichier électoral a fait l'objet de débats politiques, de débats techniques, mais au point où nous sommes, compte tenu des concertations qui ont eu lieu entre le gouvernement et les partis politiques, nous estimons qu'un fichier consensuel doit être établi. Ce n'est plus une question politique, c'est une question technique. Nous avons vu une région mobilisée. Ah, quand on regarde la région, la mobilisation, on a l'impression que l'URD est le seul parti qui existe dans la région de Kayes. Maintenant, quant aux travaux, ils se sont déroulés correctement. Nous avions fait une très bonne conférence. Ces travaux ont été marqués par un ralliement important de tout un village à l'URD. Il s'agit de Bandjougoula, situé à 27 km de Yélémani. Une arrivée vivement saluée. Vous avez vu, Kata Kolokani Kanabla, Ambeyoramina. Ambado, première région. Ambouye, première région, Mouye, Anyavo Soumaïlaï. Kabri parti, Kerera Domi, à Lilibe, première région de là. Ambavo Touye, Mimbe, première région, Bolo, Soumaïla Kola, ni Tou Kerai. Il n'y a pas de doute, 2012, Soumaïla Beta Koulba. Je suis satisfait. Merci la population de Yélémané et merci tous les délégués de la région de Kayi au nom de l'IRD. Pour les gens qui ont été en parce que je suis élu des peuples. Quand tu voulais donner un conseil à ta militant, il faut comprendre que tu es élu des peuples. Quand on est élu, on a un mandat non impératif. Je suis élu de tous les Mali. Les conseils que je vais donner à la peuple malien et toutes les classes politiques, il faut qu'on donne la main, il faut qu'on reste soudés, il faut qu'on reste unis. La troisième conférence de la région de Kayes se tient aujourd'hui à Yélémani. Et c'est pour moi l'occasion aussi de renouer avec les camarades après 8 ans d'absence. Et j'ai trouvé un parti très bien organisé, un parti mobilisé et j'ai trouvé des militants très enthousiastes. Aujourd'hui, à Yélémané, l'accueil a été merveilleux et populaire. Et je me félicite vraiment du travail fait par mes amis et mes camarades pendant toutes ces longues années. Beaucoup d'adhésion, beaucoup de ferveur et surtout beaucoup d'engagement. Depuis la création de l'IRT en 2003, nous avons eu beaucoup, beaucoup d'adhésion. Nous avons nombre de partis qui se sont dissous, que nous avons
absorbés. Nous avons des personnalités importantes du monde politique qui nous ont rejoints. Nous avons des personnalités importantes de la société civile qui nous ont rejoints. Nous avons énormément de jeunes cadres qui nous rejoignent, beaucoup de jeunes qui nous rejoignent. Ceci crée une dynamique parce que chez nous, nous essayons de cultiver le fait qu'il n'y a pas d'anciens et de nouveaux militants. Il y a des gens qui sont venus à l'IRD il n'y a pas si longtemps, ils sont déjà vice-présidents à l'IRD. C'est vrai que nous faisons la place pour tout le monde et nous tendons la main parce que nous sommes convaincus que aucun parti seul ne peut régler les problèmes du Mali. Nous devons être ensemble. Il faut avoir des alliances le plus larges possible. Mais il faut avoir ces alliances sur la vérité.